Dès novembre, vous pourrez voir circuler ces nouveaux tramways de grande capacité sur la ligne T3. Ces rames de 43 mètres pourront accueillir jusqu'à 300 passagers, contre seulement 200 pour les versions actuelles, soit l'équivalent de 5 bus. Ces nouvelles rames, on va augmenter la capacité de la ligne avec un nombre de rames en ligne identique, c'est-à-dire 9 rames. Donc on va augmenter environ entre 30 et 40% en fonction donc de la charge des rames. Conçues par Alstom, ces nouvelles rames sont plus performantes et confortables. Le fonctionnement des portes est beaucoup plus fiable. Si une porte ne se ferme pas, ça retarde le départ. Aujourd'hui, on a un système qui permet de fonctionner de manière quasi sûre et qui ne retarde pas le départ. On a une motorisation, c'est-à-dire la puissance du tram qui est plus élevée. J'en parlais avec le conducteur de Keolis tout à l'heure qui me disait qu'il ressentait une nette différence dans la capacité des rames à démarrer plus vite pour pouvoir libérer l'espace dans la station. Ce tramway est également équipé du réseau Ethernet et d'un système de vidéosurveillance à bord. Par exemple, attention, cette rame ne prend pas de voyageurs. Ça ne sera pas une surannulation uniquement intérieure, mais intérieure et extérieure. Et ça, c'est vraiment un plus.